it's gotten to a point where black people are just asking not to be killed, and the police and the government just saying, but like, it's just gotten ridiculous. Personally, around police officers, I do not feel comfortable. I don't necessarily feel safe. We constantly talk about what happened. We constantly talk about there's another person that was murdered by police, another citizen that was murdered by police. We talk about people breaking the law. We talk about if there's going to be a if there's possibly justice for the person that was murdered, or if the police are going to be prosecuted. But we never talk about the why. We never talk about the institutionalized systemic racism. La mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans tué par un policier blanc aux États-Unis, a provoqué une immense colère dans le pays et à travers le monde. Depuis, les manifestations se multiplient. Le Cap, Paris, Londres, Bruxelles. Car au-delà des violences policières, les manifestants viennent surtout dénoncer le racisme systémique. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, j'ai demandé à l'historienne Françoise Vergès de nous expliquer. Le racisme systémique, quand on y pense, c'est déjà de comprendre que le racisme n'est pas une opinion. Quand on parle de racisme structurel et systémique, c'est la manière dont les institutions, dont la culture, dont la loi, dont toutes les institutions de l'État ont été pénétrées par la pensée raciale. Par exemple, et ça s'enracine dès la traite négrière et l'esclavage colonial. C'est-à-dire ce moment où l'Europe va faire coïncider être noir, de couleur noire, et être esclavagisé. Puisque rapidement, toutes les personnes esclavagisées vont être des Africaines et des Africains. Et donc la couleur va être associée, il va avoir une invention de la couleur comme marqueur social et comme marqueur culturel qui traverse toutes les institutions. Donc ils vont aujourd'hui se traduire par des discriminations à l'emploi, l'accès à la santé, l'accès au logement, l'accès à la promotion, l'accès à l'éducation, à une éducation égale. Donc une différence. Ça se traduit aussi par la mort de personnes noires lors de leur interpellation. Et aux États-Unis, les exemples se suivent et se ressemblent. Juillet 2014, Eric Garner, 43 ans. Août 2014, Michael Brown, 18 ans. Novembre 2014, Tamir Rice, 12 ans. Et tous ces exemples ont lieu sous l'ère Obama. Il y a eu une sorte de déception ressentie à la fin des deux mandats d'Obama, certainement dans la communauté africaine-américaine. Et déception d'autant plus qu'effectivement, on a l'impression que rien n'a changé, dans le sens où les Africains-Américains sont toujours surreprésentés dans la population carcérale. Surreprésentés, ça veut dire qu'ils représentent actuellement environ 12% de la population américaine, mais dans les prisons, ils représentent beaucoup plus que 12%. Là, très récemment, on a vu qu'ils étaient surreprésentés dans le taux de mortalité du Covid. Donc vous voyez ces inégalités persistantes, c'est ça aussi quand on parle du racisme systémique, c'est qu'on a cette impression que les Africains-Américains sont davantage victimes que les autres, c'est pas qu'une impression, ce sont des faits, des inégalités, des discriminations. Mais ce qui indigne encore plus, c'est le manque de justice. Lorsqu'il s'agit de violences policières, les agents sont parfois renvoyés de leur poste, poursuivis par la justice, mais très rarement condamnés. I don't care about no arrest without a conviction. If there's no arrest, if there's no conviction after the arrest, then what are you arresting them for? To appease me? To stop this from happening? You know what I'm saying? So we need a conviction, man. We need a conviction. We need convictions. We need convictions. We need convictions. En France, par exemple, les combats du mouvement Black Lives Matter ont notamment ravivé l'affaire Adama Traoré. Sa sœur Assa milite depuis 4 ans pour que justice soit rendue à son frère, mort lors de son interpellation. Alors, même si la France et les États-Unis ont des histoires différentes, pourquoi fait-on souvent le rapprochement entre les deux pays? Il y a des similitudes entre la France et les États-Unis. Ça a été deux pays esclavagistes, c'est aussi deux démocraties occidentales. Alors, les différences, c'est que l'esclavage s'est fait sur le sol des États-Unis, qu'il y a une guerre, qu'il y a aussi beaucoup plus d'autonomie, mais pour des raisons historiques des luttes des Noirs. Les États-Unis n'ont pas une expérience coloniale directe aussi forte. Elles ont Porto Rico et d'autres colonies, mais elles ont une histoire d'impérialisme aussi brutale que l'histoire impérialiste et coloniale française, d'intervention dans d'autres pays. Donc oui, je dirais qu'il y a
qu'il y a des parallèles que nous pouvons faire, contrairement à ce qu'on nous dit tout le temps, qu'il ne faudrait pas importer les choses anglo-saxonnes ou américaines. La France se croit, enfin l'État français croit que la France est le lieu de l'universalisme, mais l'idée qu'il n'y a pas de couleur, la confusion qui se fait dans beaucoup d'esprits de Français, c'est de dire « les races n'existent pas biologiquement », mais ça n'a aucune importance parce qu'elle existe dans l'idée. Et donc, la race, elle se traduit en acte. Quand il y a les protestations contre le privilège blanc et qu'on nous dit « mais c'est une idée importée des États-Unis, ça n'existe pas », c'est de ne pas vouloir comprendre que même quand on est blanc et pauvre, on reçoit quand même plus de privilèges. Vous n'allez pas être arrêté 8 fois dans la rue. Ce n'est pas vrai, par jour, chaque jour, par la police. On ne va pas nécessairement vous interdire d'avoir un appartement, même dans les logements sociaux. On ne va pas vous criminaliser a priori, comme on criminalise les quartiers populaires où vivent en majorité des racisés. Peut-on dire dans ces cas-là qu'il y a du racisme systémique en France ? On peut tout à fait dire qu'il y a du racisme systémique et structurel en France. On le voit tous les jours. C'est même dans les études du défenseur des droits ou du CSA, c'est-à-dire d'institutions gouvernementales. Le CSA va vous dire qu'il y a que dans les séries, à la télévision, dans les films, dès qu'il envoie un jeune noir, un jeune arabe, il dit du shit, ou il est bon, ou c'est un terroriste. Les femmes noires, on ne les voit même pas à peine. Les femmes, il n'y a pas d'Asiatiques qui sont en train de jouer Phèdre. Dans la question de la représentation, on l'a vu aussi pendant la pandémie, quel est le département qui a été le plus touché par le taux de mortalité? C'est le 93, un des départements les plus pauvres de France, où vit aussi un très grand nombre de racisés. Qui faisait tenir les métiers essentiels? Les éboueurs, les femmes de ménage, les caissières, et qui étaient exposés au danger? Des personnes racisées. Donc toujours la structure de la société française repose sur l'exploitation raciale de corps, des corps racisés, de leur vie. Dans une étude publiée récemment, le défenseur des droits réclame d'ailleurs la création d'un observatoire des discriminations pour, je cite, « lutter contre les discriminations et leur nature systémique ».